Coucou, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette vidéo pour un petit défi. Donc, sur le groupe Facebook Je ne peux pas, j'ai Scrap, donc qui est l'admin Tadoun, elle nous a lancé un petit défi, donc une foire aux ATC, où il fallait donc représenter son chanteur, sa chanteuse ou son groupe préféré. Donc j'ai commenté, je trouvais ça trop cool. D'ailleurs, Tadoun a une chaîne YouTube, si jamais ça vous intéresse, je vous la mets bien sûr dans la barre de description. Le groupe également, si jamais ça vous intéresse. Donc du coup, j'ai été en binôme avec Eliane. Je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai réalisé. Mais Eliane, si jamais ça vous intéresse, elle a un site de Scrap qui s'appelle Les Loisirs de Montenoy, pardon. Donc si jamais ça vous intéresse, pareil, je vous mets le lien en description. Je vais vous montrer tout de suite les ATC que j'ai réalisés. Et dans la deuxième partie, on ouvrira son petit envoi. Donc moi, je suis partie du coup sur sa chanteuse, son chanteur et son groupe préféré. Donc, comme chanteur, elle a choisi Jack. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Donc, c'est un chanteur qui chante une célèbre chanson, hein. C'est dommage que je ne veux pas vous le mettre à cause des droits d'auteur. Donc, voici ce que j'ai fait. Je vais vous expliquer dans le détail après. Ensuite, elle a choisi comme chanteuse Mylène Farmer. Ensuite, comme groupe, elle a choisi Luis Attaque. Et on a décidé de se faire un petit ATC bonus. Donc, comme vous pouvez le voir, moi, je suis partie sur le thème de l'amour. Donc, tout simplement, pour réaliser ces ATC, j'ai pris une base aquarelle. Donc, la base d'une ATC, 8.9 sur 6.4. Ensuite, pour faire mon fond, j'ai utilisé tout d'abord cette Distress avec le magnifique pochoir de chez In Love Art que j'ai eu en partenariat. Franchement, il est génial, bien épais, très bien. Et ensuite, pour faire le fond écriture, j'ai utilisé l'Amo de chez Action, j'aime beaucoup, avec ce pochoir de chez Scrap Didi. Très bon pochoir également, très résistant, aucun problème. Et ensuite, pour ici, je suis venue faire la technique du cache avec ce magnifique tampon de chez Scrap Didi. Ensuite, voilà ce que ça donne. Je suis venue colorier avec des feutres à alcool, tout simplement. Ensuite, comme vous pouvez le voir, j'ai fait pour chaque ATC des petites pochettes. Donc, ce sont des petites pochettes déjà toutes faites que j'avais achetées chez Noz. Sauf que devant, c'était écrit Thank you. J'aimais pas du tout. Donc, j'ai utilisé les dies de chez Action. Donc, le plus petit pour découper mes images. Mes images, je les ai faites sur du papier photo, mais je les ai imprimées à l'envers. Hein, donc, ça fait du papier normal. Hein, et je suis venue en créer pareil avec celle-là. Et je suis venue prendre un modèle un peu plus grand où je suis venue refaire avec le pochoir et écrire à quoi ça correspond. Voilà. Et en petit bonus, je lui ai mis des petites strass comme ceci que j'ai utilisées pour mettre sur mes ATC. Et je lui ai mis deux petits tamponnages en plus. J'espère vraiment que ça va lui plaire. Donc, son chanteur préféré, sa chanteuse préférée, son groupe préféré et une petite ATC bonus au choix. Et ben voilà, tout est prêt à être envoyé et j'ai hâte de découvrir ce que elle a fait. Je vous fais plein de gros bisous. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je vous retrouve dans cette vidéo pour découvrir l'envoi de Eliane. Donc voilà ce que j'ai reçu.
Je vous rappelle que l'échange était... C'est trop joli. Je suis en train de regarder en même temps. Il n'y a rien derrière. Non, ça va. Enfin, ça va. Je peux vous montrer, quoi. Donc, je vous rappelle qu'il fallait faire 3 ATC, notre chanteur préféré, notre chanteuse préférée et notre groupe préféré. Là, c'est le petit mot. Avec plaisir, Eliane. Ça me fait très plaisir de faire un échange avec toi. Donc, elle m'a mis plein de petits plus. Dans une petite pochette comme ceci, on a... Alors, je ne voudrais pas tout arracher, donc je vais tout doucement. Voilà. Ouais, je voudrais pas tout arracher, mais j'arrache tout le haut. Bravo, Gwen. Très crédible. Alors, ma chanteuse préférée, c'était Lady Gaga. Ensuite, Kenji pour le chanteur. Et le groupe Trust. Et un petit ATC cadeau avec des fleurs. C'est trop joli. J'adore. ATC surprise. Donc, je vous remontre. Le groupe préféré. Le chanteur préféré. Et la chanteuse préférée. Donc ce sont des ATC uniques et elles ont été faites le 19-02-2024. C'est génial. Et donc du coup, ici c'est quoi? Oh, plein de petits plus. Génial, ce sont plein de petites découpes. Oh là là, elle en a mis beaucoup. Moi j'ai rien mis en plus. Oh là là. Je savais pas qu'elle allait mettre autant de plus. Regardez-moi ça. C'est trop beau, des petites étiquettes. Après, on avait une grande découpe comme ça, magnifique. Et plein de petites choses. Il fallait me le dire que t'allais mettre des plus, hein. Je t'aurais rajouté des trucs, moi aussi. Du coup, je me sens grave gênée. Regardez-moi ça, plein de petites découpes. Oh, c'est trop chou, ça. Un ananas, des découpes comme ça. Ah, j'aime trop. Oh, j'adore, regardez, des petites fleurs comme ça, j'aime trop. Ça, j'adore. Hop. On a plein de petites choses comme ça. Ah, c'est génial. Regardez. Et des petites choses comme ceci. Et là, j'étais en train de regarder ça. C'est magnifique. J'imagine que c'est à détourer. J'imagine que c'est à détourer. Ouais, parce que Eliane, elle a un... Comment dire ? Une boutique. Donc du coup, j'imagine que peut-être ça vient de sa boutique. Donc n'hésitez pas à aller sur sa boutique, hein. Surtout, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Je vous remets bien sûr le lien en description. Eh ben, merci beaucoup à toi. Très contente et ne t'inquiète pas, tes ATC me plaisent énormément. Je vous les remets là pour que vous puissiez bien les voir. Elles sont trop jolies. Merci beaucoup.